You are now watching the M2 Show. Yeah. M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say, sit down and watch. Sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are, if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion, entertainment, will I let you know? Paris and white and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Motoya, le 30 juin, les papes américains, ils allaient là. Mais tout ça, ils ont célébré, étant donné le week-end, ils ont tous les gens qui ont tous les gens qui ont tous les gens qui ont tous les gens propre ont tous les gens qui ont tous les gens qui est-ce que c'est le moment maintenant et encourager de continuer? Et encourager mes organisations à moi, ils ont talaka yo. Pour tout qui est New York, c'est ça qui est mystique, non? Mais talaka oyo, batwaya qui est belle terre, mais quand même tout c'est belle. Mais maïo nanga est bungi quelqu'un. Maïo est bungi, mais tout le monde est cité. Coco, vous n'êtes pas de mon hôtel, mon maïo, je suis là, comment il parle à la bête, mais maïo est bungi. Maïo est bungi, na komi a, na zoluka maïo, maïo est zate, mais anyway, ça obète na oye quoi. Obète na oye, tu oses là-haut. Merci Coco, merci pour ton temps, c'est très gentil, merci. Voilà, ça c'était Coco. On va voir le vieux Kankou. Kankou, ça c'est ton petit frère Roger Moutou, avec de M Touchou. Ouais. Ça nous fait vraiment plaisir, grand frère, que tu sois là. Juste deux petites vite questions, on sait qu'on t'a attrapé vite fait, mais c'était juste pour demander quelle est ton opinion d'après ce que les Congolais sont en train d'organiser ce jour. Non, mais moi je suis très content. D'ailleurs, je me demande, je dis à quelqu'un que bon, je ne savais pas qu'on avait si une grande communauté ici à Washington. Hein. Et je suis très content pour mes enfants, ma famille. Les enfants sont très impressionnés pour voir que voilà, nous avons quand même un groupe. D'ailleurs, ma fille est en train de partir au Congo. Oui, oh, ça c'est bien ça. C'est une bonne expérience pour elle. Elle est déjà exposée à l'ambiance de chez nous. Donc je suis très fier. J'aimerais voir le truc pareil se répéter dans les jours à venir. Et je ne sais pas si tu as appris qu'il y a eu une certaine division dans des organisations. Donc il y a une grande partie aussi des Congolais maintenant qui vont célébrer l'indépendance à Atlanta et une autre partie qui est ici. Je ne sais pas si tu as appris cela. Non, je ne suis pas au courant, mais vu l'espace sur lequel nous habitons, l'Amérique est très vaste. C'est tout à fait normal. On ne pouvait pas réunir tous les États-Unis, c'est impossible. Et je ne pense pas que ce soit une division. Au contraire, c'est quelque chose d'être quand même fier qu'il y a le gens, il n'y a pas que ces groupes qui pensent à cela. Il y a aussi un autre groupe ailleurs qui y pense. Il ne faut pas prendre ça négativement. Moi, je pense que c'est... Oui, puisqu'il y a certains qui prennent ça négativement. Non. Vous savez qu'il faut qu'on puisse passer le temps à penser positivement pour pouvoir améliorer notre situation et les conditions de vie. Si vous continuez à penser négativement, reprocher n'améliore rien. Au contraire, montrez ce que vous pouvez apporter à la table et allons de l'avant. Moi, je pense que c'est toute une bonne chose que les autres se rencontrent à notre table. C'est bien pour eux, parce que le pays quand même est grand. Tout le monde est de quand même partager cette joie. Ouais. De problème. En tout cas, merci beaucoup, grand frère. Mais sinon, on se rencontre ensemble. Merci beaucoup. Ok. Voilà, donc on va aller ici. Comme on voit les frères Sassa qui sont ici aujourd'hui. Effectivement, ils vont nous donner. On va Eric Sassa qui est ici. Eric va nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. C'est plus quelqu'un à présenter, surtout pas aux États-Unis, au Canada. C'est Eric Sassa. Eric Sassa, et c'est mon d'abord, il y a trop. Nous savons que tu as un grain intello, mais ce n'est pas pour te diminuer, mais il faut être obligé de faire ça. Je l'accepte. Il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais Moutounanga Roger Moutapé Singaï, je l'accepte et je la prends. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire au jus avion, au Yéléon à Tongo, à Washington, ici, Yos à Ramon à Toronto, à Tosimi, Canada, au Yéléon à Watt. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que vous avez célébré et l'eau au niveau de effectivement, son à Yéléon.
j'ai toujours entendu parler de cet événement. Et ça, événement Moko et Simbaka, d'ici. D'ici, et à la capitale à 7 et à la capitale à Bissotou, n'a aucun cas à voir les États-Unis et mourir. Talaka, ma camoufle Samawa. Et puis, bah, soit bien. On va Simba à mon kilo. Aime tout chaud. Mais des respects. Je suis obligé de faire le déplacement. Je suis arrivé avec ma famille, Namounio, d'abord. Mangokoto. Namouni frère, nan aimé ça, ça. Yo, yébi toujours. Namouni moutinangaï. Aime tout chaud. Adwa Simba Mokilo. Mais aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'indépendance des États-Unis, mais aussi et surtout celle de notre grand pays, la République démocratique du Congo. Sur ce déplacement, Awa, tout le monde Banamaï. Banamaï est bien. On a eu un rabat, on va monter bien. Mais pas monter bien, comment bien pour Banamaï est bien. Je suis un peu plus de temps. Plein de barrages hydroélectriques. Donc courant, pamba, pamba, mais électricité, ça, on a minute, on a habité quoi. En tout cas, nous avons deux de l'Iplace au fan de Zoyoga, ce qui, Samil et Azobabou, ça, ce sont des intellos. Azobabou avec preuve à l'appui. Bon. Sees it coming before it comes. A mastermind. Before he go to war, he count as one. A mastermind. Everything planned out perfect. In case y'all niggas got to get murdered. A mastermind. Sleeps at night real easy. A mastermind. Cause everything he does is by the book. A mastermind. Never do a thing irrational. Lives forever, these tales are classical. Since I'm in a position to talk to these kids and they listen, I ain't no politician, but I kick it with them a minute. Cause see, they call me a menace, and if the shoe fits, I wear it. But if it don't, then y'all'll swallow the truth, grin and bear it. Now who's the king of these rude, ludicrous, lucrative lyrics? Who could inherit the title? Put the youth in hysterics, using his music to steer it, sharing his views and his merits. But there's a huge interference, they're saying you should inherit. Maybe it's hatred I spew, maybe it's food for the spirit. Maybe it's beautiful music I make for you to just cherish. But I'm debated, disputed, hated and viewed in America. Look at it like you didn't experiment. Nah, that's when you start to stare at who's in the mirror and see yourself as a kid again. And you get embarrassed, then I got nothing to do but make you look stupid as parents. You do good, it's too bad you couldn't do good at marriage. And do you have any clue what I had to do to get here? I don't think you do, so stay tuned and keep your ears glued to the stereo. Cause here we go. He's chicken, 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 chicken. And I'm the sinister Mr. Critical. Never been afraid to say what's on my mind at any given time of day, cause I'm a renegade. Never been afraid to talk about anything, 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 anything. Renegade. Never been afraid to say what's on my mind at any given time of day, cause I'm a renegade.